Mais elle est tout le temps hyper heureuse, la meuf. Elle va bouffer de la merde, mais elle est heureuse. C'est le principal. Non, je peux pas. Je suis désolée, je peux pas tenter de faire une intro comme ça, ça me casse déjà les noix. Ça m'énerve. Yo tout le monde, c'est Kira. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, comme vous l'avez lu dans le titre, on va se mettre à regarder des vidéos ASMR. Alors, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment on a raté le coche? Quel moment on a raté Poudlard? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour faire des vidéos comme ça? En fait, je suis tombée totalement random, je suis une youtubeuse et tout, et puis pour le fun, elle a fait une vidéo ASMR. J'ai commencé à regarder, 2 secondes, ça m'a cassé les noix direct. Le truc, et en fait, je me suis renseignée vite fait sans regarder de vidéo par contre, et je savais que les vidéos ASMR ça existait. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les vidéos ASMR, en fait c'est des vidéos où en fait on va parler toujours très bas comme ça. En fait, et apparemment c'est censé relaxer les gens. Alors je ne sais pas si ça relaxe vraiment ou pas, mais à ce que j'ai cru comprendre, il y a de tout et n'importe quoi dans le ASMR. Donc on va se mettre à regarder des vidéos ASMR pour voir si effectivement c'est quelque chose qui relaxe ou pas. Alors attention, les vidéos que je vais regarder, je sais pas, les youtubeurs, je vais sélectionner ou quoi que ce soit, j'ai aucun problème avec ces youtubeurs. Je fais un disclaimer parce que, alors attention, je le sens déjà venir, on va cliquer sur des vidéos, ok, totalement lambda, on va voir. Donc si j'aime pas la vidéo ASMR de la personne ou quoi que ce soit, ça veut pas dire que j'ai quelque chose contre cette personne. Je préfère juste préciser, mon petit Michel, on ne sait jamais. Donc je vais m'équiper du casque, bien évidemment, puisque c'est bien dommage de ne pas regarder une vidéo ASMR avec un... J'attends un colis, hein. Si j'entends pas avec ces conneries, je vais être dégoûtée. Donc on va taper vidéo ASMR tout simplement et on va regarder. Voilà, bah regardez, on le trouve direct, hein. Je tape A, on a amour de rire et ASMR. Donc on a des vidéos ASMR, donc on a carrément des chaînes dédiées à l'ASMR. ASMR français, slime. Alors là, ah bah, il y a un mec qui a fait Nicolas, alors je connais pas, mais qui a fait des réactions ASMR aussi, mais sauf que lui, il a fait les vidéos illégales sur YouTube. Donc c'est pas pareil. Je savais même pas qu'il y avait des gens qui avaient fait ce truc, pour vous dire. Donc brochage, il y a tout et n'importe quoi. Il y a tout et n'importe quoi. Oh, 10 millions de vues, ASMR, Halo et Vera, Challenge, Soft, Sticky, Crunchy, Sand. On va essayer de regarder ça. Il y en a une autre à 22 millions de vues, c'est abusé. Vous regardez, c'est la 22 millions de vues dans un premier temps. Voir si c'est bien ou pas. It's me. Alors déjà, de parler... ASMR, darling. Thank you so much for joining me, my beautiful human being, creature, thing. I'm very excited. Il y a un truc que je comprends pas. Déjà, alors attendez, pause, parce qu'il va falloir qu'on sache. Je ne critique pas l'ASMR ou quoi que ce soit, attention, ça je tiens à préciser aussi. Juste, je connais pas du tout, donc j'ai envie de découvrir. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo dessus, vu que la petite vidéo que j'avais vue m'avait gonflé. Je me suis dit, ça peut être assez rigolo. Faut m'expliquer, peut-être que derrière ton écran, toi mon petit Michel, tu regardes des vidéos ASMR et tu adores ça. Il faut m'expliquer du coup ce que vous aimez en fait dans l'ASMR. J'ai cru comprendre qu'apparemment c'était relaxant. Sauf que pour moi, bon là la fille pour moi je trouve pas ça très relaxant quand elle parle. Après je pense chacun est comme il est, chacun voit le truc. Mais j'arrive pas à comprendre en fait ce truc autour de l'ASMR en fait, c'est ça. Donc allez, c'est parti. Voilà, déjà, premier truc qui m'agace, c'est le... Voilà, ce bruit là que je déteste. Le bruit de bouche. Ma belle, déjà mets un filtre anti-pop sur ton Blue Yeti, j'avais le même que toi. Mets un filtre. Alors après, peut-être que c'est le but. Peut-être que je me trompe, vu que je connais pas. Peut-être que le but, justement... C'est de pas mettre de filtre anti-pop et d'entendre tous les bruits vraiment, peut-être. Oui, alors attendez, faut qu'on remette les choses en place. Moi je pense aussi qu'il y a pas mal de gens qui la suivent pour autre chose. Hein. Enfin, elle, j'ai rien dit contre elle. Hein. Mais je pense qu'il y a pas mal de mecs qui doivent être quand même la brindille levée, Michel, devant ses vidéos, je pense. Parce qu'il faut se le dire, elle est très très jolie cette jeune fille. Et je pense clairement qu'il y a des gens qui ne la suivent pas pour son ASMR. Ah, les gens aiment les livres, mais je suis d'accord, mais... Bon, c'est... Moi, je comprends toujours pas l'engouement autour, mais on va voir. Donc, on a une autre vidéo, en fait, d'une meuf qui mange de l'aloe vera. Par contre, là, j'ai trop peur. Parce que vous savez que ça m'insupporte les bruits de bouche et les... Quand je... Ah non, ça m'insupporte. Donc, j'ai vraiment peur. Oh, le bruit. Ah, il est fort, le bruit de son micro. Hein. T'entends qu'elle met... Oh là là. Attends, moi, je baisse un peu, Michel, parce que là...
Elle parle pas? Elle, elle mange, c'est tout. En quoi c'est apaisant? C'est pas apaisant. Elle va pas la bouffer quand même, attends. Ah non, 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 peut-être pas qu'elle va la bouffer en fait. Parce que sur les photos, tu vois qu'elle l'a bouffée, mais je crois que l'aloe vera, ça se mange pas. Surtout pas, je crois. Oh, je sais plus, moi, avec ces conneries. Il y a certaines plantes, tu peux pas les bouffer, c'est toxique. Mais en fait, c'est ça tout du long. Pauvre aloe vera, elle lui a défoncé la gueule pour la couper juste pour faire une vidéo. Oh! Ah, on dirait du... Vous savez, l'alien, quand il bave avant de manger sa proie. Ah non. Ah, voilà. I'm not sure about this, guys. C'est immonde. It's like playing with slime. Ok. Mais non! Non! Ah, oh, putain. Attendez, stop, 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 on arrête les conneries, cette vidéo va trop loin, ça va déjà trop loin. Je ne sais pas à combien de minutes on en est, on doit être qu'au début de la vidéo. La vidéo est en mode petit bébé pour le moment, je vais dégueuler. Je ne peux pas, c'est plus fort que moi, il y en a peut-être que ça ne dérange pas. Et la preuve, il y a 10 millions de personnes que ça ne dérange pas, visiblement. Il y a 24 000 quand même personnes que ça dérange. Qu'est-ce qui est agréable? Moi, ça m'insupporte. Moi, je sais que ça fait partie des choses que je déteste. Ah, je peux pas, ça m'insupporte. Et je l'avais déjà dit dans 24 feux sur moi, je crois, ou dans une autre vidéo, que je ne supportais pas tous les gens qui mangeaient la bouche ouverte, qui faisaient des bruits comme ça. Et là, je ne vois pas en quoi c'est reposant de faire des bruits comme ça. En fait, je vois pas ce qui est reposant là-dedans. Donc, on va continuer, parce que je veux vraiment voir. C'est horrible, sans déconner. Non mais la meuf, en plus, t'entends qu'elle fait revenir l'aloe vera dans sa bouche 10 fois. Non, sans moi. Dites-moi que... Toi, derrière ton écran, mon petit Michel, là. Dites-moi que vous aussi, vous êtes comme moi à ce moment-là, et vous êtes vraiment pas bien. Dites-moi que vous êtes pas bien. Ne me dites pas que vous aimez ça. Mais elle est tout le temps hyper heureuse, la meuf. Elle va bouffer de la merde, mais elle est heureuse. C'est le principal. Oh non. Me dis pas qu'elle va manger le miel comme ça. Elle va pas tout manger comme ça. Faut arrêter. Moi je me demande s'il y a pas un peu... Alors peut-être que je vois les choses un peu loin aussi. Hein. Moi je me demande s'il y a pas quelque chose à connotation sexuelle. Alors tu vas me dire, Kiki, tu vois du cul partout. C'est pas ça. C'est que quand je regarde des vidéos comme ça, je n'arrive vraiment pas à comprendre ce qui peut être apaisant. Voilà, écoute. Maintenant ferme les yeux. En quoi c'est apaisant? Enfin, à mon sens, c'est pas... Ah non, non! Ah non, putain, non mais... Non, moi je vois pas en quoi ça c'est apaisant. Il y a quelqu'un que j'ai regardé et j'avais bien aimé, mais c'était il y a grave longtemps, je sais pas si vous connaissez, c'est Poisson Fécond. Hein. Et en fait, il avait fait une vidéo ASMR, bah d'ailleurs, attends... Ah bah si, c'est ça, mais en fait, c'est sur sa chaîne Le Verso. Hein. Et en fait, il avait fait des vidéos ASMR relaxation, et en fait, il raconte une histoire... Qui s'étend. Voilà, ça je trouve ça apaisant par contre. Vous avez trouvé ça con? Voilà. Il raconte une histoire avec le soleil. Mais c'est hyper apaisant ça, je trouve encore. Ça j'aime bien. Mais alors la personne qui est en train de bouffer un truc à côté avec les bruits de bouche et tout ça, je trouve pas ça apaisant. Pour moi voilà, quelque chose d'apaisant c'est quelqu'un qui genre raconte une histoire calmement et tout. Ça je trouve ça agréable. Bon alors forcément quand t'as un casque. Bah là, t'entends qu'elle déplace le slime de gauche à droite, donc forcément ça passe d'une oreille à l'autre. Mais je vois pas. Attendez, je ferme les yeux. Je vois pas en quoi ça... Je suis désolée, j'essaye de me détendre, hein. Vous pouvez pas dire le contraire, hein. Essayez chez vous aussi. Regardez quelques vidéos d'ASMR, n'hésitez pas. J'ai jamais compris l'engouement autour du slime non plus. C'est un truc, je trouve, dégueulasse, vraiment dégueulasse. Qu'on devait avoir quand on était enfant. Ça a été à la mode l'année dernière. J'ai vu que ça sur internet, de refaire du slime. Là, c'est cet été, donc là, ça y on y retourne. Mais surtout l'année dernière, tout le monde faisait du slime. Je trouve ça dégueulasse, c'est pas hygiénique. Le truc, tu le tripotes, tu le poses sur la table, tu le reprends, tu le tripotes. Les enfants le portent à leur bouche parfois. Ils le retournent. Ah non, c'est dégueulasse. C'est pas hygiénique. Non mais attendez, il y a vraiment des vidéos une heure de relaxation où la fille ne parle pas et c'est que du tapping.
Tapping, c'est quand tu tapes comme ça, Michel, hein. Pour ceux qui ne savent pas, c'est que ça. Et c'est la spécialité de la fille, à ce que j'ai cru comprendre, puisque Chiara SMR, elle refait encore une heure de tapping. Non ! Le... Me dis pas qu'elle tapping sur le hérisson ! Ah non, hein ! Bon, on fait pas ça ! Attendez, moi, je veux regarder l'hérisson parce que ça me fait flipper. Ah, mais c'est une vidéo française. Ah mais Jessie Relax, on l'a pas vu Jessie Relaxation, je sais même plus moi. Non, le hérisson, ça fait pas mal les petits picots du hérisson là sur le bout des doigts. Et je me dis, est-ce que ça... Bon après je connais pas, hein. Je sais pas du tout, je connais pas les hérissons plus que ça. Est-ce que c'est agréable pour le hérisson de se faire titiller les picots? Est-ce que c'est agréable pour lui? Ça je ne sais pas, je connais pas du tout, ça se trouve c'est hyper agréable, il adore ça, c'est hyper relaxant pour lui. Je sais pas. Allons-nous dormir ensemble? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je suis où là sur la chaîne? Oh pardon, on dirait le... On dirait qu'elle glousse. Glou, 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 glou. Mais la version, tu vois, genre... la version petit glouglou, tu vois. Celui qui a pas encore sa voix de grand glouglou. Non mais la tête qu'elle fait, s'il te plaît. Non mais attends, ne me dites pas, s'il vous plaît, stop. Allez. Eh, ne me dites pas que ce type de vidéo, c'est 100% des personnes, des filles, des garçons, des chiens, des chats, des hamsters, des bulldogs qui regardent la vidéo en mode « J'adore la ASMR, c'est hyper détente, moi, ça me détend de ouf. » Ne me dites pas ça, c'est obligé que là, me dis pas que là, c'est une vidéo, la meuf, elle fait une vidéo hyper ASMR, quoi. Ne me dites pas qu'il n'y a pas de connotation un petit peu, voilà, Michel. Oui, là, on est d'accord, non, oui, là, on est d'accord qu'on n'est pas sur... C'est juste ça, sa vidéo? Ah, ça y est. Oh, t'es là, Michel. Dis donc. Ouais, non. C'est pas... Il n'y a pas que de la ASMR dans ces vidéos, quoi. Je pense que c'est un peu des simulations. Un peu comme si t'étais dans un jeu vidéo et qu'il y avait une personne face à toi, tu sais, qui te parlait et toi, t'étais le personnage principal, quoi. Là, j'ai eu l'impression que ça fait ça, tu vois. What? Avec sous-titres français? Non, on a même les sous-titres. Ah ouais, non, mais la fille, c'est pas du tout pour... Non, c'est bon, on va arrêter là. On arrête là, moi, je peux plus. J'arrête, je ne peux plus. On va s'arrêter là parce que... J'arrive pas à comprendre l'engouement, on est déjà à plus d'une heure de vidéo. Je suis toujours autant perdue qu'au début, voire même encore plus perdue qu'au début. Je comprends pas l'engouement autour de ce type de vidéo. Bien évidemment, la dernière fille qu'on a vue, elle, je la mets à part. Ça n'a rien à voir avec du... Enfin, pour moi, ça, c'est pas du ASMR. Enfin, ce qu'elle fait, si, c'est du ASMR, mais je pense qu'il y a quelque chose d'autre derrière, que c'est plus pour draguer les... Pas pour draguer, mais pour attirer les mecs, les filles, les hérissons, voilà, comme je vous ai dit. Voilà, il y a pas... Là, c'est pas de la ASMR pure. Là, il y a quelque chose d'autre dans ces vidéos, quoi. Ça se voit clairement que c'est pas pour faire que de la ASMR et attirer que des gens qui aiment purement la ASMR. Ça se voit clair et net. Du coup, pour les autres vidéos que j'ai vues, par contre, écoutez, je ne sais pas quoi dire. Je n'arrive toujours pas finalement à comprendre l'engouement autour du ASMR, j'arrive pas à comprendre ce qui est relaxant là-dedans. Voilà, comme je vous ai dit, moi, la personne que je trouvais relaxante, et encore, j'ai regardé que deux vidéos, quoi. C'est Poisson Fécond avec sa chaîne Le Verseau, et ça, je trouve ça relaxant. Il raconte une histoire, c'est assez bas. En fait, j'aime bien parce que t'as une histoire, t'as un truc, quoi. Mais il parle pas trop fort et tout. Mais en fait, l'ASMR fait de... Tapping de je passe le pinceau sur le micro, je parle à gauche, à droite, je sais pas, ça me perturbe, je me sens pas à l'aise, je vois pas ce qui détend là-dedans. Moi ça me dérange plus quand j'entends un pinceau, un truc qui me tourne dans les oreilles, ça m'énerve plus qu'autre chose et ça me dérange. Après je pense qu'effectivement il y a des gens, ça les détend de fou, il y a des gens, ça les détend, ils aiment bien entendre les bruits comme ça, pour eux ce sont des bruits relaxants. Pour moi c'est absolument pas des bruits relaxants, ça me relaxe pas du tout, on va pas se mentir. Dites-moi si vous avez déjà vu des vidéos ASMR et si vous aimez ça, ou si au contraire vous êtes un peu comme moi, vous comprenez pas trop l'engouement autour du ASMR et vous êtes un petit peu perdu. J'aimerais bien savoir un petit peu vos avis parce que alors là pour le coup je vais pas vous mentir, j'ai aucune idée.
Ouais, je sais pas si vous aimez l'ASMR, si vous aimez pas ça, si vous êtes entre deux. Moi, ça me dérange pas, par contre. Hein, les gens qui font de l'ASMR, ça me dérange absolument pas. C'est comme j'ai dit. Hein. Moi, j'ai rien contre ces gens qui font des vidéos ASMR. C'est juste que j'ai essayé de comprendre, voilà, de me mettre à la place de, bah, des gens qui regardent des vidéos et j'ai toujours pas compris. j'ai pas compris, voilà. Donc voilà, donc dites-moi si vous aimez ce type de vidéos, justement, où j'essaye de comprendre un petit peu l'engouement autour de certaines choses. Bon, bah, j'ai pas compris l'ASMR, malheureusement. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui comprennent ou pas. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner aux réseaux sociaux, tout est listé dans la barre d'infos. Je vous dis à demain pour un nouveau live et à lundi pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.